Bonne arrivée en Éthiopie, le pays des hommes libres, le seul en Afrique à ne jamais avoir été colonisé. La success story que nous allons vous raconter aujourd'hui va pulvériser pas mal de clichés. Mitiku Belachef, enfant des hauts plateaux, il est très jusqu'à l'âge de 12 ans, est devenu une sommité mondiale de la chirurgie. Le petit berger, surdoué, décroche une bourse pour venir étudier à l'université de Liège et il invente la technique de ponce de l'anneau gastrique par laparoscopie. Devenu citoyen belge, il n'a jamais renié ses origines. À l'apogée de sa vie professionnelle, le professeur Mitiku Belachef décide d'investir dans ce qui lui a permis de donner le meilleur de lui-même, l'éducation. Il a fondé une école dans le village où il a grandi. Avant de s'y rendre ensemble, il me fixe rendez-vous à Addis Abeba, la capitale la plus élevée du continent. Mitiku Belachef. Oui, c'est bien moi. Bonjour professeur. Adrien, enchanté. Heureux de vous accueillir ici à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Addis Abeba, ça veut dire nouvelle fleur. Donc bienvenue à la ville des nouvelles fleurs. Ah, mais vous nous faites une fleur de nous accueillir chez vous. C'est ici que vous avez commencé votre scolarité. Exactement. À l'âge de 12 ans. Mais dans cette émission, on va aussi remonter aux origines, les origines de l'humanité, l'Éthiopie, et puis les origines de votre vie, Mitiku. Exactement, les origines de ma vie, c'est à Wenchi, c'est à 150 km d'ici, c'est à 3000 mètres d'altitude, à un endroit merveilleux, à un cratère de la croûte volcanique, et j'aurai le grand plaisir de vous y amener. Oh, vous avez du souffle, on y va? Oui, on y va. En oui, route pour va, les hauts oui. plateaux éthiopiens. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, dansez, dansez, tout est perdu. Dansez, le tigre a faim. Dansez, vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Dansez, au bord du cratère. Au bord du cratère de Wenchi, Mitiku est accueilli comme un prophète dans son pays. Le berger, devenu chirurgien, est la fierté de toute la communauté. Le projet qu'il a lancé ici permet aujourd'hui à 700 enfants des montagnes d'aller à l'école dans un village où il n'y en avait pas. À quoi sert notre venue ? Oh, danser, danser, tout est perdu. Ému par cet accueil grandiose et par les nombreux témoignages de gratitude, Mitiku Belachef récolte ce qu'il a semé. Je pense que c'est une reconnaissance de ce que j'ai fait. Moi, je ne m'attendais pas à ça, je n'ai pas fait ce que j'ai fait pour cela. Mais quelque part, ça fait plaisir quand même. Et ce qu'ils ont remarqué, que ce que j'ai fait était très utile. Parmi le public, il y avait pas mal d'anciens élèves qui ont fait leur parcours scolaire ici et puis qui ont été très loin, qui ont été jusqu'à l'université, qui sont des professionnels, des ingénieurs, et des avocats, et professions médicales, etc. Donc ils sont arrivés au sommet, disons, de l'enseignement et de carrière. Et donc ils ont reconnu en quelque sorte ce que j'ai fait. Grâce à l'école que vous avez financée ici. Petite école qu'on a créée il y a 19 ans avec le concours de beaucoup d'amis de Belgique et d'ailleurs. Je symbolise un peu ce monde. Pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Un village qui n'arrête pas de célébrer le retour de son ancien berger. Mitiku Belachef se plie de bonne grâce aux cérémonies d'accueil dans sa petite école. Une chaleur humaine digne de la cité ardente. Oufti, Mitiku, quelle ambiance! Oufti, comme à Liège, sauf qu'on est à 5000 km de Liège, à presque 3000 mètres d'altitude, à Wenchi, dans une école de village voilà, qui existe depuis 19 ans. Une école qui n'existait pas quand vous étiez gamin, dans les années 40? Il n'existait pas, il n'y avait pas d'école dans les alentours. J'ai dû aller très très loin pour aller à l'école pour apprendre. Et voilà. Donc,
Et c'est un changement depuis. C'est pour ça que vous avez voulu fonder ce projet, soutenir, créer cette école ici. Ça a toujours été un rêve de créer une école là où il n'y en avait pas. Là où je n'ai pas pu disposer d'école, j'ai voulu offrir à mes concitoyens, mes villageois, et avec l'aide de beaucoup d'amis, notre association, nous avons créé cette école et voilà, elle fonctionne. Je voulais que les enfants restent dans leur village, qu'ils apprennent avant d'aller plus loin et éventuellement revenir ici après leur éducation, leur qualification professionnelle. Oui, donc c'est une école avec tout ce qu'il faut, bibliothèque, c'est pas loin. Voilà, on est en train d'achever une bibliothèque, voilà, c'est super bien. Il y a aussi une mixité. À notre droite, il y avait des garçons qui chantaient. À gauche, c'est des filles. La proportion filles-garçons, c'est à peu près un tiers de filles, deux tiers de garçons. Mais ils sont dans la même classe. Ils sont mixtes dans les classes. Mais pour les chants et pour les danses, ils ont leur propre groupe. Et ça sépare pour le folklore. Mitiku, c'est l'importance de l'enseignement. Lui qui est bardé de diplômes, lui qui est reconnu internationalement, c'est aussi que la première école qu'il a façonnée, c'est celle de la nature. À quel âge êtes-vous devenu berger et jusqu'à quel âge l'êtes-vous resté ? Disons, dès que j'étais capable de m'occuper de petites bêtes, hein, de petits veaux, d'abord peut-être des poules, j'étais berger très tôt et je suis resté berger jusqu'à l'âge de 12 ans. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, donc j'étais, comme je dis, à l'école de la nature où j'ai appris un peu tout ce qu'il y avait à apprendre et pas, il y avait pas mal. Hein. La nature est très riche en mystères et des choses qu'on peut découvrir quand on est abandonné à la nature. Moi. Vous avez entre autres appris ici à dompter la souffrance, à apprivoiser la douleur. Oui, parce que c'était d'abord, je me suis infligé par accident pas mal de blessures. Je me cognais contre les pierres parce que j'étais pieds nus. Je n'avais plus d'orteils après un certain temps. Donc ça saignait, j'avais des plaies et je me suis piqué avec des épines, tout ça. Donc il a fallu supporter ça d'abord et puis après... comme il fallait maîtriser quand même cette douleur, parce qu'il n'y avait pas d'hôpital, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de médicaments, donc il fallait qu'on maîtrise cela. On a commencé à s'initier entre bergers pour supporter de plus en plus de douleurs, à se percer la joue, à se percer les oreilles, et à ne pas sentir de douleur, et à maîtriser en tout cas la douleur, et ça m'a servi après. Votre vie aussi a été une série d'épreuves, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Vous avez perdu des proches, vous-même vous avez échappé à la mort de près. Quelle leçon vous retenez de tout ça, Mitiku ? La souffrance, bon, je pense qu'il ne faut pas le subir volontairement, mais quand elle est arrivée, parce que ça arrive à chacun et à tous les individus, c'est ce qu'on appelle... La dualité de la vie, c'est-à-dire il y a le bonheur, le malheur, le haut, le bas, et il y a aussi les choses qui arrivent qu'on n'a pas souhaitées. Et malheureusement, il y a des choses sur lesquelles on a des contrôles par son action consciente et des choses qu'on ne peut pas contrôler, ce que j'appelle les événements. Et quand ils arrivent, alors il y a une certaine façon de le... disons, soit de le maîtriser ou de le subir. Et moi, je crois que quand on a souffert et quand on peut maîtriser la douleur qu'on a subie suite à ça, on en surgrandit. Et c'est une superbe école aussi de l'évolution. La souffrance est une école aussi en elle. Take care of the one who needs you most. Retour à Addis Abeba, la capitale aux 7 millions d'âmes, une ville grouillante où l'ancien petit berger a aussi été chirurgien. Et pas n'importe lequel, le premier au monde à réaliser la pose de l'anneau gastrique par laparoscopie, une technique révolutionnaire qu'il a aussi pratiquée dans cet hôpital.
Voilà, c'est mon lieu de travail. Ok. C'est l'hôpital Sayared, où j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années, où j'ai fait la chirurgie laparoscopique. Bah, on vous suit, professeur. Merci. Ses collègues se souviennent évidemment du professeur et l'accueillent avec chaleur. Dans tous les couloirs de l'hôpital, Mitiku salue avec la même bienveillance tout le personnel, qu'il soit d'entretien ou chirurgien, infirmier ou administratif. Cet honnête homme sait que ce n'est pas la fonction qui nous grandit, mais la manière dont on la remplit. Petit flashback, le 1er septembre 1993, l'invention de Mitiku Belachev fait la une du JT présenté à l'époque par Jacques Brédal. Un renouveau ou un nouveau traitement de l'obésité. Un chirurgien du centre hospitalier de Huy, précisément, a mis au point une technique très particulière, une opération à l'estomac guidée par l'intérieur au moyen d'une caméra de télévision. Une caméra qui deviendra son instrument de travail. En un quart de siècle, elle lui aura permis d'opérer plus de 30 000 patients un peu partout sur la planète. Alors Mitiku, vous êtes passé du bâton de berger à ce microscope très particulier, qui est en même temps une caméra. Vous pouvez nous présenter cette très haute technologie? Voilà, c'est ça que ça s'appelle la laparoscopie. Donc c'est la chirurgie par vidéo-laparoscopie, vidéo-caméra. C'est la chirurgie dite mini-invasive. Et on entre dans le ventre des patients avec des petits trous qui ne dépassent pas 10 mm. Et on introduit une caméra qui est, voilà, la tige là, c'est 1 cm. Une fois entrée dans le ventre, elle montre une image agrandie 4 fois. Et donc on opère en regardant l'écran de télévision et le doigt n'entre plus dans le ventre. Et donc comme il n'y a que des petits trous, des micro-dissections en utilisant des instruments très très fins, voici par exemple une paire de ciseaux laparoscopiques, hein, quelque chose d'extrêmement fin, de 5 mm de diamètre et très long, et donc qui va entrer dans le ventre et qui peut couper. Hein, c'est des ciseaux microscopiques. Et avec cela, on fait donc toutes les opérations qu'on faisait avec des moyens très, très traumatisants, le ventre ouvert, les mains dans le ventre, relativement grossier, et maintenant voilà, c'est la chirurgie mini-invasive, la laparoscopie. Mitiku, on a ici aussi un bel exemple de la technologie au service de la santé, au service du développement. Oui, oui, je crois que on doit, le pays développé comme le pays sous-développé doivent avoir droit aux meilleures technologies, en tout cas en matériel médical, en termes médicaux, hein, les patients malades dans le tiers-monde doivent avoir le même droit. Et moi, je suis même tenté à dire que la laparoscopie, qui est une chirurgie mini-invasive, qui est souvent qualifiée de chirurgie de luxe, pour moi, elle est presque inventée pour le tiers-monde, parce qu'elle résout beaucoup de problèmes liés aux soins de santé dans le tiers-monde, l'encombrement des hôpitaux, le problème d'infection, parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques d'infection avec la laparoscopie. Et donc, être opéré par laparoscopie en Afrique apporte beaucoup plus probablement que dans l'hémisphère nord. Et donc, moi, je pense que, quelle que soit la technologie, et les pauvres ont droit comme les riches à cette technologie-là. Moi, je pense qu'il faut que l'humanité doit en profiter de toutes les inventions. Un pied en Éthiopie, l'autre dans l'hémisphère nord, Mitiku Belachev est un médecin sans frontières. Il fait rayonner son invention dans les petits hôpitaux d'Afrique et dans les plus grandes cliniques de la planète. S'il parcourt le monde, il n'oublie jamais d'où il vient et ses confrères éthiopiens font partie de sa garde rapprochée. Salam, ça va? Ah,
Adrien, je vous présente Dr Guettahon, chirurgien orthopédiste, un ami très cher. Enchanté. Enchanté, docteur. Vous vous connaissez depuis longtemps ? Oui, on peut dire depuis longtemps, c'est toujours relatif. Ça fait dizaines d'années qu'on se connaît. C'est un bon collègue ? Un très bon collègue, un patron, un formateur. Belachef est un chef ? C'est un chef. En fait, on n'appelle pas ici Belachef, on l'appelle Belachow. Pourquoi ? Belachow. Parce que le W, en fait, ça se lit « we », et c'est en Europe qu'on le lit « chef hein, ». Et ce qui lui donne justement une origine plutôt soviétique. Hein. Ça sonne soviétique quand ça fait « Belachev ». Belachow, c'est typiquement éthiopien. C'est à nous. D'ailleurs, professeur, ça a donné lieu à pas mal de quiproquos, votre nom, Belachev. Ah ben... Oui, beaucoup de, oui, des anecdotes assez comiques parfois. Oui, parce qu'avant de me voir, les personnes qui m'attendaient imaginaient qu'ils allaient voir quelqu'un avec des yeux bleus, les cheveux blonds, venant de l'Europe de l'Est. Mais quand ils me voyaient, c'était une surprise pour eux. J'ai eu des patients qui sont venus de très loin, de Moyen-Orient, par le nom, et quand ils sont arrivés dans ma salle de consultation, ils ont dit non, on veut voir Dr Belachev. J'ai dit, quand j'ai dit que c'était moi, ils ont dit non, il y en a qui sont partis. Hein. Il y en a un au moins qui est parti parce qu'il était. Il a dit, je ne suis pas venu pour voir un Africain et je m'attendais à quelqu'un d'autre. Voilà. Après, c'est excusé, mais enfin, je ne l'ai jamais opéré, ce patient, même quand il l'a redemandé, mais. Et au début, effectivement, c'était un petit conflit entre lui et moi. Moi, j'ai passé à un autre patient qui avait besoin de moi et ça s'est arrêté là, quoi. Mais c'est un peu le préjugé est très difficile à lever. Comme Einstein l'a dit, le préjugé, et il est plus facile de briser l'atome que le préjugé, n'est-ce pas ? En plus, quand même, on peut souligner qu'il est du pays des origines. C'est le pays c'est le fils de Lucie. Hein? Lucie, c'est la mère de l'humanité. Donc, quelque part, c'est une question d'évolution, tout ça. Maintenant, comme on appelle, ces préjugés, c'est des phénomènes culturels ou historiques. Si l'ignorance, c'est ça. Oui, voilà. Africa, Africa. Pays anglophone d'Afrique de l'Est, l'Éthiopie est une mosaïque culturelle où l'on parle aussi plus de 400 langues et dialectes. C'est un des berceaux de l'humanité, le pays des origines, de nos origines à tous, quelle que soit notre couleur ou notre culture. Pour rien au monde, nous n'aurions pu manquer de rendre visite à Lucie, notre maman universelle, une australopithèque d'un peu plus de 3 millions d'années, découverte dans la vallée du Rift par le paléontologue Yves Coppens en 1974. La jeune femme repose aujourd'hui au Musée national d'Éthiopie. Voyager en Éthiopie, c'est aussi se pencher un petit peu sur le berceau de l'humanité, Titikou. Oui, très 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 fier. Tous les Éthiopiens sont fiers et je pense quand même les Africains parce qu'on parle tellement de mal de l'Afrique et maintenant si on trace l'origine de l'humanité pas loin d'ici, en Éthiopie, l'origine que l'humanité a commencé ici et puis il a migré dans le reste du monde, dans tous les continents, c'est important. C'est important, et donc pour le monde entier, mais pour les Éthiopiens, une fierté particulière. Lucie, d'ailleurs, son appellation en amharique, en langue éthiopienne, c'est Dinknesh, la merveilleuse. Donc ce n'est pas uniquement Lucie. Lucie, c'était le titre d'une chanson de Beatles que le paléontologue a trouvé parce qu'ils écoutaient cette chanson pendant qu'ils avaient découvert le squelette. Pour nous, donc, c'est. C'est la merveilleuse, et les femmes sont merveilleuses à plusieurs épisodes de l'histoire de l'Éthiopie, qui est très longue. Et elle était peut-être la première femme merveilleuse. Et puis après, il y a eu la reine de Saba, la légende de la reine de Saba, qui est le mythe fondateur de l'Éthiopie et de la fierté aussi. Et puis, il y a eu d'autres figures féminines en Éthiopie qui ont eu de l'importance des reines.
multiple. Et voilà, on est très très fiers d'être éthiopiens et de se trouver, disons, à ligne directe peut-être, des fameuses femmes, Lucie, Reine de Saba, etc. Donc, on est imprégné de cela. Ça vaut ce que ça vaut. Mais on en est fiers. Celui qui a vu la montagne n'a plus peur de la colline. Originaire d'un pays qui compte 25 sommets de plus de 4000 mètres, Mitiku a récemment escaladé le toit de l'Afrique, le Kilimandjaro. Une ascension à l'image de sa vie, toujours plus haut. Son parcours de petit berger devenu chirurgien est déjà formidable, mais devenir le premier au monde à réaliser la pose de l'anneau gastrique le fait entrer comme Lucie dans l'histoire de l'humanité. Une histoire belge. Non, peut-être. Mitiku Belachef, nous allons terminer cette émission sur les hauteurs d'Addis Abeba. Vous êtes un citoyen du monde, vous avez vécu un peu partout. Oui. Mais le pays où vous avez passé le plus de temps, c'est... La Belgique, en particulier Liège et sa région. Oui, je me sens liégeois, vraiment, en profondeur. Parce que j'ai vécu le plus longtemps là-bas et j'aime beaucoup Liège. Hein. Donc c'est au moment même où j'ai choisi un endroit où je devais étudier après avoir eu la bourse d'études de la Belgique, le fait de voir Liège a sonné vraiment particulièrement bien dans mon esprit et j'ai choisi sans l'avoir vu. Et je n'ai jamais été déçu, donc j'aime beaucoup Liège et sa région. Oui, bien sûr, où j'ai pratiqué longtemps donc le centre hospitalier régional, où j'ai assuré le service de chirurgie universitaire là-bas, donc dans la région de Huy. Et moi, je peux dire que j'ai apprécié la vie de la région liégeoise parfaitement. Oui. Alors Mitiku Belachef, il y a quelque chose qui m'étonne, que je trouve assez paradoxal, c'est que vous êtes originaire d'Éthiopie, un pays marqué par la famine, entre autres en 1984, et vous êtes devenu chirurgien de l'obésité. On pourrait dire que c'est une maladie des pays riches. Oui. Est-ce que c'est logique? Le paradoxe, c'est que la nourriture, c'est un bien et un mal en même temps. D'un côté, il y en a qui meurent de faim, d'autres qui meurent parce qu'ils ont trop mangé. Donc ça, c'est un peu le paradoxe de ça. J'ai côtoyé ça et ça m'a permis de voir aussi la relativité des choses, voir des riches milliardaires tristes en même temps que des démunis qui étaient souriants et heureux. Donc on ne peut pas mesurer le degré de bonheur par la richesse ou l'argent. C'est tout le contraire. Vous êtes berger, vous l'êtes resté, chirurgien, vous l'êtes devenu écrivain aujourd'hui avec votre livre, où vous racontez votre aventure. Oui. De tous les messages que vous développez dans ce livre, quel est celui que vous avez envie de mettre en avant? C'est un petit peu, la qualité vraiment principale pour un être humain, pour moi, c'est la modestie. Hein. Donc, plus on sait, plus on doit se rendre compte qu'on sait si peu finalement. Et donc d'être modeste, quand on est modeste, bon, comme je dis un petit peu avec un peu de blague d'ailleurs, que depuis que je suis modeste, je suis presque parfait. Donc il faut revoir l'estimation de son ego vers la baisse en permanence. Et gardez ce petit grain. Vous êtes devenu belge, vous avez un petit peu l'humour belge, c'est génial. Oui, c'est bien. Oui. Donc, c'est voilà, il faut être modeste, il faut rester modeste. Après ça, on peut toujours aller plus haut. Il ne faut pas prétendre qu'on est au sommet avant d'avoir atteint le sommet. On n'atteint jamais le sommet. La perfection n'existe pas. Ouais, vous n'êtes pas encore au sommet de votre vie. Vous avez encore l'âge de lire Tintin. Vous avez encore une bonne moitié devant vous. On vous souhaite bonne continuation, Mitiku. C'est gentil, merci. Voilà, tant que je vis, moi, je suis un homme de l'instant présent. Ça, je peux maîtriser. Au-delà, demain, et tout ça, c'est l'incertitude et ça ne me préoccupe pas. La vie est pleine de surprises. Oui, elle est pleine de surprises, de bien, bonnes et mauvaises. Mais maintenant, moi, je suis surtout apprécier l'instant qu'on peut maîtriser. Merci pour cette belle leçon. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Partagez.
Matamata, 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 Matamata,